Je m'appelle Moustapha Mbengue, député-maire de la commune de Keur Massar. Et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Sénégal et président délégué de l'Union parlementaire africaine. Je suis venu en voyage en Turquie. Un voyage qui est composé de députés comme moi-même et dont je suis le chef de délégation en tant que président délégué de l'Union parlementaire africaine du Parlement sénégalais, accompagné des maires aussi qui sont dirigés par le maire de Guédiawaye et président de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, M. Aliou Sall, et le cabinet d'information et de formation et de conseil appliqué, SIFCA, qui est représenté par Moussa Diop, et des entrepreneurs sénégalais, pour rencontrer des élus de la Turquie et les hommes d'affaires turcs. Comme vous le savez, le Sénégal et la Turquie ont d'excellentes relations entre le président Macky Sall et le président Erdogan de la Turquie. Beaucoup d'infrastructures sont en train d'être réalisées dans le cadre du PSE qui a transformé le visage de notre pays, le Sénégal. Vous avez vu l'aéroport de Dias à Ibédé, terminé par les Turcs. Vous avez vu le stade de l'arène en tour, vous avez vu l'hôtel de Radisson, vous avez vu le stade olympique en construction, et tant d'autres projets que les Turcs sont en train de réaliser, au niveau du Sénégal. Donc, ce qui prouve qu'il y a de la matière au niveau de la Turquie. Mais nous, en tant qu'élus, nous sommes venus pour rencontrer ces hommes d'affaires, pour voir aussi, en tant que collectivité territoriale, ce partenariat qui existe entre nos États, puisse descendre à la base pour que les communes aussi, avec leur plan de développement communautaire, avec les projets que nous voulons réaliser, nouer des partenariats fructueux avec les élus, les communes de la Turquie et les hommes d'affaires pour réaliser un partenariat des réalisations à la base. Comme vous le savez, il y a des mairies qui veut réaliser dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'espoir, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine social et autres domaines, parce que les mairies ont des compétences transférées, 9 domaines de compétences transférées. Mais nous avons rencontré beaucoup d'entreprises. Des entreprises qui nous ont marqués, des entreprises qui travaillent sur le solaire, comme Solar Apex, que nous avons rencontré avec leur directeur, Bessim Ozdersi. Nous avons rencontré aussi Hydromax.
Nous avons rencontré Yassar Group, vraiment qui travaille sur la santé, la construction des hôpitaux, qui fournit aussi les équipements sanitaires de dernière génération. Nous avons aussi rencontré Al-Bayrak, l'entreprise Al-Bayrak, en collaboration avec l'entreprise Kademé. C'est des entreprises, je peux dire, qui ont fusionné leurs forces et qui travaillent sur tout, sur le solaire, sur la confection des voitures, le ramassage d'ordures, et sur l'alimentation. Ils font du tout, du tout. Et qui sont vraiment prêtes, ces entreprises, à venir investir au Sénégal. Et aussi, nous avons rencontré DEIC, le grand groupe de DEIC, que vous connaissez au niveau d'Istanbul, qui est composé presque de 1000 personnes, tous milliardaires, qui ont besoin de réaliser des grands travaux à travers le monde, des projets des centaines de milliards ou bien. Et aujourd'hui, ils veulent vraiment construire un centre commercial de niveau mondial au niveau du Sénégal. Et je les ai dit que Keur Massar est prêt pour recevoir ce centre commercial et qui sera parmi les plus grands centres et commerciaux qui ont de renommée internationale. Ils m'ont dit que maintenant, ils l'ont relancé plusieurs fois au Sénégal, au président de la République lui-même. Et j'en ai discuté avec le maire à Lussal pour qu'au retour, qu'on puisse voir comme Keur Massar est très peuplé et le commerce marche à merveille dans la commune de Keur Massar. Et nous avons beaucoup d'ambulants et beaucoup de commerçants. Donc, je pense que si on fait cette infrastructure au niveau de la commune, ça peut être porteur de développement. Nous avons aussi rencontré le maire de Bassac-Seir. Le maire nous a bien reçus avec un accueil vraiment chaleureux avec toute la délégation. Et nous avons aussi visité, sur le plan éducationnel, leurs écoles. Et nous avons visité aussi leur centre social et leur décharge. Donc, je pense que nous avons fait beaucoup d'échanges fructueux et nous avons scellé des partenariats qui, à mon avis, seront d'ici quelques années des partenariats fructueux. Ce sera l'objet de notre venue au niveau de notre visite.